Bienvenue à Bofsi. Veuillez vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour. La porte de l'Inde était autrefois connue sous le nom de All India War Memorial, est un mémorial de guerre situé près du sentier Kartavya, sur le bord et de l'axe cérémoniel de New Delhi. Il se dresse comme un mémorial à 84 000 soldats de l'armée indienne britannique, qui sont morts entre 1914 et 1921, pendant la Première Guerre mondiale. La porte de l'Inde a une portée de 30 pieds. Depuis sa construction en 1972, l'Amar Jawan Jyoti, à la porte de l'Inde, a été le site des cérémonies de dépôt de couronne les jours importants. Mais, cela a changé et toutes les cérémonies officielles de dépôt de gerbe a lieu à l'obélisque du monument commémoratif de guerre nationale. L'obélisque aura aussi une flamme éternelle. Une statue de 28 pieds de haut de Netaji Subhas Chandra Bose a été inaugurée à la porte de l'Inde. La statue de granit noir a été sculptée dans un bloc de granit monolithique pesant 280 tonnes métriques. Le bloc de granit choisi pour la statue a été transporté à Delhi depuis Telangana et la statue en a été sculptée en plus de 2 mois. Le nouvellement construit, Amar Jawan Jyoti est maintenant situé à l'anneau intérieur, le chakra Amar, du monument commémoratif de guerre nationale. Le mémorial comporte 4 cercles concentriques. La flamme du monument commémoratif de guerre nationale, qui a été inauguré en 2019, servirait désormais de mémorial pour tous les martyrs des forces armées. Il a les noms des soldats, qui sont morts dans les guerres et les conflits après l'indépendance de l'Inde en 1947. Près de 26 000 héros de guerre ont un nouvel hommage à leur nom, au Mémorial National de la Guerre à Delhi, qui a été inauguré par le Premier ministre Narendra Modi. Le complexe comprend des bustes de héros de guerre et une enceinte de 4 chakras, chacun signifiant des valeurs différentes, des forces armées. Le chakra Amar, le cercle d'immortalité est le cercle le plus intime. Il a un obélisque de granit de 15,5 mètres de haut, avec une flamme éternelle pour rendre hommage aux héros, qui ont sacrifié leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. La flamme symbolise l'immortalité de l'esprit des soldats tombés au combat, avec l'assurance que la nation n'oubliera jamais leur sacrifice. Prosaïquement, c'est le centre rayonnant défini comme un espace cérémoniel. Poétiquement, il est chorégraphié avec un symbole édifiant s'élevant de la terre, rencontrant le ciel, immortalisant la mémoire des soldats. Il est évident qu'à partir de là, le plan global soutient la disposition symétrique et hiérarchique du contexte. C'est le cercle de la bravoure. Le troisième cercle représente la bravoure des forces indiennes, sous la forme d'une galerie couverte, qui expose 6 peintures murales en bronze, qui étaient bataille de Longaiwala, bataille de Ganga Sagar, bataille de Titoal, bataille de Rosangla, opération Meghdoot et opération Trident, représentant de vaillantes actions de combat des forces armées indiennes.
c'est le cercle du sacrifice. Les murs d'honneur circulaires concentriques, qui symbolisent l'ancienne formation de guerre. Les murs sont revêtus de tablettes de granit, ou une tablette de granit indépendante est dédiée à chaque soldat, qui a fait le sacrifice suprême. Chaque nom, sur la tablette est gravé en lettres dorées. Briques de granit, avec les noms de 25 942 héros, leur grade et leur régiment, gravés à l'or. Outre les soldats tués lors des guerres de 1947, 1962, 1965, 1971 et 1999, les noms des héros décédés lors des opérations des forces indiennes de maintien de la paix au Sri Lanka sont également inscrits sur le chakra Tayag. Le cercle de protection. Le cercle le plus extérieur composé de rangées de 600 arbres, dans le chakra Raksha, est une assurance pour les citoyens du pays, sur leur sécurité contre toute menace, chaque arbre représentant les soldats, qui assurent l'intégrité territoriale de la nation, 24 heures sur 24. À côté du mémorial principal se trouve le Paramyodhasthal, un site qui rend hommage aux lauréats du Param Vir Chakra, avec des bustes en bronze dédiés à chacun d'eux. Le jardin luxuriant et les allées, le long des bustes ont des plaques, avec des histoires de leur bravoure. Une partie du monument commémoratif de guerre nationale, Paramyodhasthal a les bustes de 21 récipiendaires du Param Vir Chakra, la plus haute distinction militaire de l'Inde. La conception du mémorial principal illustre ce sacrifice suprême fait par un soldat, dans l'exercice de ses fonctions, non seulement le rend immortel, mais montre également que l'esprit d'un soldat reste éternel. Au coût approximatif de roupies 176 crores, le mémorial a été conçu et construit, dans un laps de temps de 20 mois. Depuis l'indépendance, plus de 26 000 soldats des forces armées indiennes ont fait le sacrifice suprême pour défendre la souveraineté et l'intégrité du pays. Le monument commémoratif de guerre nationale représente donc la gratitude d'une nation envers ses forces armées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Notre salut aux forces armées indiennes.